Salut à vous, aujourd'hui vidéo un peu particulière. Passant, souviens-toi, ici sont tombés pour ta liberté le 23 juillet 1944 les chasseurs du 6e BCA. Voilà, nous sommes à côté de Valchevrière. Je laisserai mettre pause. Regarde, ce qui est pratique, c'est que ici en hiver, la piste de randonnée se transforme en piste de ski de fond. Donc tu peux y aller. Voilà, ici nous sommes au Belvédère. Et on voit là-bas le village de Valchevrière. Voilà, bon. Une église qui reste conservée. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu ce téléphone? Voilà. Hop. Là. Allez, on se retrouve. Donc on arrive dans le village de Valchevrière. Alors, pour éviter de vous gâcher un peu la visite, si vous la faites, je vais pas tout le filmer, d'accord. En venant ici sur la route, il y a pas mal de croix, de stèles. C'est un peu des endroits où sont tombés nos héros, nos résistants. Donc, là, danger interdit au public là-bas. Et donc oui, ce qui est marrant, c'est que... Tiens, on était vers la route tout à l'heure. Ce qui est marrant, c'est que tu peux faire du ski ici, quoi. Donc là, il reste que la chapelle. Il y a d'autres lieux comme ça en France, notamment dans le nord. Des villages ont été détruits, où certains lieux, il restait que l'église. Et d'autres où elle a été largement... excusez-moi du terme... bousillé. Voilà, donc je filme un petit peu pour pas vous gâcher toute la visite. Voilà, à tout à l'heure. Une sorte de pour s'abreuver. C'est cool. Côté du four à pain. C'est notre four de village. Bah. Et je vous dis à bientôt dans le monde. Voilà, le chemin de la vie.